Eh ben salut tout le monde, c'est SGamer54 et on se retrouve pour une nouvelle série, la rivalité de la WWE. Épisode numéro 1, j'ai pris Undertaker contre Batista. Il s'est composé avec 5 matchs, WrestleMania 23, Backlash 2007, SmackDown le 11 mai 2007, Summer Sunday 2007 et Survivor Series 2007. Alors dans cette série, en fait, je vais vous dire les points positifs que j'ai aimé ou pas aimé, les points positifs et points négatifs que j'ai trouvés. Et surtout, je donnerai ma note finale, évidemment. Alors, je vais commencer par les points positifs. Alors, il y a eu des bons et des mauvais quand même dans la rivalité. Le bon, c'est que voilà, tout le monde pouvait s'en douter que à WrestleMania, Undertaker y a gagné contre Batista. Mais voilà, ça se voyait un peu. Franchement, il y a des combats, comme par exemple Backlash ou SmackDown le 11 mai 2007 dans la cage. Ça se voit être direct ou ça sera terminé par un match nul. Parce que Batista pouvait largement gagner. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il attend l'Undertaker, il avance doucement. Bah, ça se voit, c'est du trucage quand même. Mais voilà. Après, à Sabo Sunday, franchement, avec un arbitre spécial, je trouvais pas si. Si, j'aurais mis quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être mis Shawn Michael ou. Voilà. Ouais, quelqu'un qui est vraiment là, parce que mettre Skonsko Steve Austin en arbitre spécial, ouais, ça sert à rien comprendre parce que je comprendrai jamais. Du coup, après, par contre, au Earn Innocent, j'ai bien aimé au Survivor Series parce que, voilà, franchement, je voyais bien l'Undertaker gagner. Il y a un qui est intervenu, il a fait son retour, c'est la R Superstar Edge. Il a fait un spear sur l'Undertaker. Il a fait gagner, évidemment, Batista. Alors moi, cette note-là, je lui donnerai, la rivalité là, je lui donnerai une note sur 15 sur 20. Parce que voilà, il y a quand même du bon, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a quand même du bon, hein. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Vive tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, aussi vite fait. Donnez-moi dans les commentaires quelle rivalité vous voulez. Je note et puis tout ça. Voilà, marquez une rivalité, par exemple John Cena, Edge, etc. etc. Voilà, comme ça je prendrai celui qui a le plus de gemmes. Allez, salut tout le monde, bye.